cette année, du 9 au 13 octobre, Montmartre va célébrer l'amour. Il paraissait bien aujourd'hui de faire une grande fête dédiée à l'amour. L'amour, c'est aussi l'amitié, c'est aussi la solidarité, c'est aussi la rencontre. C'est Mystique qui a fait l'affiche, qui a réalisé l'affiche, qui l'a conçue. L'amour à Montmartre, ce sont des actes, des duos amoureux, c'est aussi des grands actes collectifs comme des grands bals. On danse ensemble, on crée ensemble. Et c'est surtout, Montmartre, c'est pas seulement à Montmartre, mais c'est aussi sur tout le 18e. Ça, on s'adresse aux enfants, on s'adresse aux personnes âgées, on s'adresse absolument à tout le monde et pour toutes les couches sociales. Ça c'est aussi la fête des vendanges de Montmartre. On peut parler des cuvées, puisqu'il y aura deux cuvées. Il y aura la cuvée du cœur et la cuvée de l'amour. Et grâce au bénéfice des ventes, eh bien, nous pourrons par la suite organiser des galas, des repas, des sorties pour les enfants et des grandes fêtes. Et c'est ça l'esprit du vin de Montmartre qui se perpétue maintenant depuis 1934. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on démarre la fête des vendanges avec les enfants. Il y a 600 enfants qui vont écrire des messages d'amour. Ça, c'est le démarrage de la fête, ça donne le ton. La fête s'achèvera donc le dimanche 13 octobre, avec un magnifique concert, très tendance amour, puisque c'est Alain Chamfort qui viendra chanter à La Cigale, un concert gratuit, ouvert à tous, et qui aura des invités pour faire de grands duos d'amour, et en première partie, un jeune groupe, Yuka Velux. Alors eux, ils ne chantent que des chansons d'amour.